tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Happy Bunny Club. Donc je vous ai présenté cette box il y a quelques mois, du coup j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que c'était pas mal tous les 3 mois, comme ça vous vous lassez pas. Et en plus je sais pas si j'aurai eu le temps de faire tous les mois. Donc je pense que tous les 3 mois c'est pas mal. Je vais ouvrir cette box, je vais vous la présenter et ensuite je ferai découvrir les produits aux loulous. Bon, c'est parti, je vous ouvre la box. J'avais déjà ouvert un petit peu au couteau parce que comme ça je me suis dit que c'était plus facile. Hop, donc comme d'habitude c'est rose avec le petit papier, j'aime beaucoup. Et l'enveloppe, je vous ferai des plans, donc je vais l'ouvrir. Happy Bunny Club, donc comme la dernière fois je vous avais expliqué, il vous explique pour le mois. Ensuite vous avez les ingrédients et un petit message. J'essaierai de vous traduire un petit peu dans la vidéo les ingrédients. Alors c'est parti, j'enlève le petit papier et je vais prendre dans l'ordre, donc je vais prendre devant. Le premier truc c'est des jouets en bois en forme de fruits, donc c'est de la marque Rosewood. C'est Boredom Breaker et c'est les Woody's Nibble Sticks. Donc je pourrais pas vous dire parce que c'est pas écrit en français. Je crois que j'avais eu déjà ces petits jouets dans la box là ou dans une autre. Et ça, ils avaient adoré. Franchement, ils les avaient dévorés en quelques jours. Alors, deuxième article, je vais prendre ceci. Donc, toujours de la marque Rosewood. C'est une marque que j'aime beaucoup, assez naturelle. C'est Apple et Strawberry Bunnies. Et ce sont des friandises assez naturelles en forme de petits lapins. Franchement, c'est trop trop chou. Donc, il y en a des roses et il y en a des vertes et des jaunes. Je pense que ça ils vont adorer. J'avais eu un peu le même style dans le calendrier grainless. Donc c'était des gros cœurs comme ça, un peu ce style là. Et ils avaient adoré. Il y a 100 grammes et c'est aussi pour petits animaux. Donc je vais leur faire tester ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il y a la composition mais c'est en anglais. Du coup je vous mettrai ça en français dans la vidéo. C'est de la marque Happy Pet. Donc c'est pour les petits animaux, c'est Alfalfa Dumble, Alfalfa Sweet Treat. Et comme ça, de vue, ça me dit pas trop. Franchement, les trucs jaunes, je suis pas fan, je sais pas trop ce que c'est. Et à l'intérieur, on dirait des petits morceaux de bois ou un petit peu du foin. Donc je pense que je vais me renseigner un petit peu plus sur internet sur ce produit et je vous en dirai un petit peu plus dans la vidéo. La seule chose qui est marquée en français, c'est pas de pesticides, un régal sain qui chasse l'ennui. Donc à voir pour les loulous, on va tester ça mais je vous en dirai des nouvelles. Alors après je vais prendre ça, donc c'est une grosse balle. Donc c'est Nature First, c'est la Crispy Ball et c'est 100% recyclable. Donc c'est de la marque Happy Pet. Et est-ce que c'est écrit en français? Le parfait jouet trip pour petits animaux domestiques, irrésistible à grignoter et à mâcher, aux propriétés thérapeutiques reconnues, 100% naturel, sans pesticides. Ah, dans le carton il y a des petites... Je pense que le paquet là il s'est ouvert. Oh bah oui, c'est ouvert, donc du coup il y en a un petit peu partout. Mais bon, c'est pas grave, je remettrai dans le paquet. Du coup, comme je vous disais, le petit paquet là c'est ouvert. Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas il est bien ouvert. Et du coup, il y en a dans le carton. Donc je vais récupérer ça, puis je vais en remettre dans le paquet, puisque on va pas le jeter, hein, les loulous vont le manger. De la marque Rosewood, et j'aime beaucoup cette box là parce que ils mettent beaucoup de produits Rosewood et c'est une bonne marque. Il y a 125 grammes et c'est naturel Italy Fruit Salad. Je vous mettrai la petite description, mais il y a un petit mélange, je crois qu'il y a de la pomme, il y a des fruits rouges, il y a de la carotte. Il y a de la banane. Et enfin, on arrive au dernier produit. Et ça, je sais qu'ils vont adorer. Puisque j'ai eu le même dans cette box-là ou dans une autre. Je ne sais plus du tout. Donc, c'est un gros paquet de mélange. Alors, c'est de la marque The Egg Expert. C'est Birch Leaf. Il y a 150 grammes. Et c'est Naturel Food for Rabbit. Alors ça, c'est un mélange de plantes. Et je sais déjà qu'ils vont apprécier. Et franchement, là, j'ai de quoi faire. Et ça tombe bien parce que l'autre que j'avais avant, donc il n'y en a presque plus. Enfin, il y en a encore un petit peu. Hein, je vous montrerai tout à l'heure. Mais je sais que ça, ils adorent. Et au moins, je sais que c'est naturel.